Au casting de la saison 13 de Danse avec les Stars, la chanteuse Cœur de Pirate a annoncé s'être blessée ce jeudi 1er février. Une mauvaise nouvelle à quelques jours du premier prime, qui pourrait remettre en cause sa participation. Si est-il une date que les fans de Danse avec les Stars attendent avec impatience. Absent de l'antenne de TF1 en 2023 pour cause de Coupe du Monde de rugby et d'une saison allongée de la Star Academy, le concours de danse revient le vendredi 16 février pour une 13e saison. Cette année, 12 célébrités fouleront le parquet dans l'espoir de succéder à Billy Crawford, grand gagnant de la saison 12 avec Faux Voto en novembre 2022. Un casting 5 étoiles, avec des stars des réseaux sociaux comme Nico Capone et les humoristes Inès Reg et Romando Duic, mais aussi des personnalités à la carrière internationale, à l'image de l'acteur de Desperate Housewives James Denton, de l'ancienne mannequin brésilienne Christina Cordula, et les chanteuses québécoises Natacha Saint-Pierre et Cœur de Pirate. Danse avec les Stars 2024, mauvaise nouvelle, Cœur de Pirate s'est blessé à quelques jours du lancement de la saison très absente de la conférence de presse de TF1 jeudi dernier en raison des intempéries au Canada. Cœur de Pirate avait hâte de retrouver ses petits camarades en France et de découvrir son partenaire. Mais la chanteuse de 34 ans a été victime d'un incident avant même de commencer ses entraînements. Évidemment, je me suis foulé, ou fracture, je ne sais pas encore, le petit orteil avant de commencer à danser, a-t-elle indiqué en story sur son compte Instagram ce jeudi 1er février, accompagnée d'emojis qui pleurent de rire. Reste à connaître le verdict médical pour la suite de l'aventure. Danse avec les Stars 2024, quel nouveau danseur rejoigne la troupe cette année? Côté danseur, point de Denitsa Ikonomova ni de Faux Voto. Cette dernière rejoint le jury, aux côtés de l'indéboulonnable Chris Marc, Jean-Marc Généreux et la Québécoise Mel Charlot. Pas de panique, les danseurs iconiques du programme seront bien présents, à l'instar de Christophe Licata, Candice Pascal, Inès Vandamme ou encore Anthony Colette. La saison 13 marque aussi le retour de Christian Millet et Maxime Deremey mais également de Nicolas Archambault, que les fans de l'émission ont découvert en 2017 dans le jury de la saison 8. Enfin, un ou une petite nouveau elle intégrera le groupe à l'issue du concours qui dansera avec les Stars, diffusé dès lundi 5 février sur TF1+. Encore un peu de patience.